Bonsoir à tous, nous sommes dans le cadre des élections départementales. Ce soir, nous avons en plateau un binôme qui nous vient du canton numéro 7, le canton de Capesterre-Belleau, un canton qui comprend une commune, celle de Capesterre-Belleau. Pour rappel, les sortants de cette commune sont Manuel Avril et Hugues-Philippe Ramdini. Voilà donc pour une présentation assez rapide du canton. Mais ce soir, nous avons notre binôme, un homme, une femme, c'est vrai. Tout d'abord, pour vous présenter Madame Dorville, Maggie Dorville, qui est employée de commerce au municipal avec la liste de Jean-Marie Noumertin. C'était en 2020. Donc, vous faites vos débuts en politique, Madame Dorville. On va dire en politique, entre guillemets, puisque je sais que lorsqu'on est syndicaliste, on n'aime pas trop qu'on parle de politique. Mais on va le dire comme ça et puis on verra ce que Jean-Marie Noumertin aura à répondre à cela. Alors Jean-Marie Noumertin, permanence syndicale, porte-parole de combat ouvrier. On peut dire que c'est l'homme de toutes les élections. Il était aux élections donc, de 2015, entre autres, hein, puisqu'il a un parcours en amont. Aux élections de 2015, il a eu 356 voix, soit 5,81% des exprimés. Et puis, il était aussi aux dernières élections municipales de 2020. Madame, Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Jean-Marie Noumertin, je l'ai dit tout à l'heure, mais de toute façon, vous êtes l'homme de toutes les élections, ou presque. Bonsoir tout le monde. Alors, qu'on va ouvrir nos cas analysons situation et nous avons jugé utile, est-ce qu'il faut nous participer ou pas. Et là, nous avons décidé de participer, c'est pour qu'on nous ait dit hein, à d'un titre nous, combat, vous voyez, faire entendre le camp des travailleurs. Faut entendre le camp des travailleurs, c'est faut les travailleurs conscients, exprimer politiquement, et non de laisser à certains, soi-disant hommes providentiels, femmes providentielles, pour faire en place à eux. Bah, Jorda, c'est de ça qu'il s'agit. Jorda, il s'agit du pouvoir politique. Et il faut les travailler avec qui pouvoir politique là ça. Et c'est pour ça que ça a passé par des présences à, dans ces élections-là pour développer ça, programme et action racontée menée pour que les travailleurs et les malheureux prennent le pouvoir. Alors, Jean-Marie Noumertin, lorsqu'on regarde bien le contexte guadeloupéen, c'est vrai qu'il y a une pauvreté aujourd'hui visible. On parle des travailleurs, c'est quand même la masse. Donc, votre discours, il touche la masse. Et pourtant, vous n'êtes pas forcément élu. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Là, on a dit ça, c'est pour les gens qui votaient pour nous, on a essayé de dénigrer en quelque sorte, force à eux. Chaque voix que combat ouvrier qu'a fait aux élections, c'est des voix en or. Alors pour d'autres, c'est n'importe qui bite, mais pour nous, ça a pesé. Et nous, ça compte nous. Et là, les travailleurs votent sur un programme tel que nous mettons en avant, c'est-à-dire répartition du travail entre tous, augmentation des salaires et des minima sociaux, contrôle des fonds publics, révocabilité des élus à tout instant, à tout moment, pas attendre 6 ans, 5 ans pour faire. S'ils me font bêtise alors qu'il a été programmé de faire ça, il passe à côté, c'est mettre à côté, tout de suite, pas perdre de temps. Et bien entendu, ça a passé par la mobilisation des travailleurs. Alors là, les travailleurs qui ont voté pour nous, à 6 programmes-là, ça veut dire qu'ils ont déjà compris. Et c'est fait nous faire d'autres vignes à niveau là, ça. Mais il n'en demeure que la réalité là. Là, on travaillait avec Agoumé pour améliorer son rail, pour améliorer les conditions de travail dans les entreprises, pour défendre que faire de l'eau dans le quartier, pour réclamer donc plus de justice et d'équité. C'est des gens partis à programme nous, qu'ils ont qu'à mettre en avant, ils n'ont pas conscient de ça. Le tout fait nous transformer tous ces combats là, ça, sur le terrain donc politique. Et donc, pour ça a passé par au contrôle des travailleurs, si tout ça a passé, en attendant que nous prenions le pouvoir. Alors, au-delà des palais des travailleurs, qui Jean Zotka aborder élection là, ça qui j'en autre cas vrai ça, parce que tous ces binômes là qu'a passé, peu importe les cantons, yoka dit on m'a tout ça nous qu'attendons là, soit yote ka menti pour nous ou soit nous à notre monde, mais nous nous qu'a dit nous à notre monde réel, nous à combat ouvrier, ou peut pas qu'a dit avant crise sanitaire qui fait autant de dégâts sur le plan économique et social, surtout que j'en ai pour mettre monde toute
qualité avantage qui tient nous quand prendre monde quand il a dit grand français la ligne oh crise là qu'il a là soi-disant Macron dit le quoi qu'il en coûte mais fait nous qui payer et nous j'a commencé payer mis le 1er juillet les chômeurs grand qu'à partir les chômeurs qui paient 300 euros si pension à yo quand 300 euros sur une indemnisation un chômage qui a 900 qui a 600 euros donc mis c'est ça qui concrète donc quoi commencer payer ou quoi payer vous petit tandis que les groupes à payer ailleurs. Alors donc, c'est ça alors, nous va expliquer. Alors dis-nous avant de passer la parole à Mandorville, alors dis-nous qui gens j'ai dit je voulais rassembler, travailler, etc. Zoni à peu près même discours qui nous qui le sait pas est-ce qu'elles ont pas été fait bloc Adam, élection là ça pour opter, on j'en mélange les autres pour porter la voix. Toute la différence, c'est sur qui j'en pourquoi financer tout ça. Politique. Nous n'avons qu'à dire, pour nous, ni les augmentations de salaire, il faut prendre ici les profits. Pour unir les avantages à la population là, il faut faire c'est là qui a bénéficié des subventions, nous arrêter par les subventions. Il faut que tout le contrôle réel de la population, si qui nous a fait qui bite. Là, nous parlons du problème de l'eau, comme là, c'est un problème qui s'est pas ni de robinet à mon nom. Quand il dit, nous avons compris la situation, nous avons pas ni de nous avons réglé. Celui-là, nous avons dit à côté, il y a une économie parallèle. C'est mon qui a vendu un paquet de citoyens. Est-ce qu'il n'y a pas de lien entre certains politiciens, en pas de savoyant, en posant la question. Investir entreprise là qui a vendu et ces citoyens n'ont pas tout en pays là. Ça a multiplié. Donc, tout pendant qu'il y a une crise à de l'eau, par rapport à une crise sanitaire qui commence parce qu'il faut laver meilleur tout le temps et pas ni de l'eau au robinet à moun nous sorti capesté là 3 jours nous pas ni de l'eau au robinet à nous 3 jours et donc et nous avons vrai un paquet affairiste qui a vendu citaine donc ces citaines là ça est-ce que le fait que si vous donc vous dit que ça t'est programmé une question qu'a posé moi tout simplement ou qu'a juste posé la question pas un petit goût de piloin dans recherche non mais ça nous a dit pour régler le problème de l'eau là il n'est pas compliqué. Il y a une société qui volait mon en Guadeloupe pendant tantôt. Son missile national, il volait mon tout partout. C'est tout ça qui est l'entourage de la Vivendi, Général des Eaux, Veolia, etc. Il volait mon. Il y a une fusion là, il y a acheté Suez. C'est eux-mêmes. Ils ont déjà mis en partie à la capitale là. Il y a parlé en achat à plus de 6 milliards d'euros. Il faut 1 milliard pour résoudre le problème en Guadeloupe. Parce que là, il y a fait des réparations, mais c'est bien inutile. Hein. Chaque fois, il y a réparé un côté des tuyaux neufs. Les tuyaux moins usés ou plus usés, qu'à chitaillé, qu'à pété, ça a fait qu'il n'y a pas de l'eau de l'autre côté. Et donc, ça qu'il faut là, c'est qu'il faut que Général des Eaux, mais ça qui passe uniquement par mobilisation. Général des Eaux, mettons 1 milliard d'euros sur table, et qu'il y a tout partout en Guadeloupe, les tuyaux neufs, pour ni de l'eau qu'à couler en robinet à monde. Qu'à penser qu'à Général des Eaux, qui mettait 1 milliard d'euros là-dedans. Il faut nous mobiliser pour ça. C'est celle chose qui obtient. On pas qu'à dire, moi, Jean-Marie Nomé, Maggie Dorville, c'est nous qui fait yadé. Nous lançons un appel à mobilisation. Si nous voulons que l'eau coule en robinet à monde, si nous voulons que monde ni de l'eau réellement, et de l'eau propre, de l'eau potable, ce n'est pas une grande solution. Tout le monde qui a raconté, quand on a dit, nous avons fait ça sur 10 ans, sur 6 ans, sur 5 ans, et non, ça veut dire pendant 5 ans, on peut arriver le matin, on peut partir à casa, on peut rentrer quand les soirs 21h, on peut de l'eau, c'est 8 ans, on peut dire, c'est gérer ou pas gérer. Et mon cas vient fouer folle avec la situation là. Il y a des gens qui viennent fouer folle, mais c'est ça qui a rendu mon fouer folle en partie. Quand on dit, c'est Covid qui a atteint mon. Oui, ni Covid, mais il y a aussi le côté psychiatrique. Qui réel chose là. Moun commence à parler d'ailleurs. Mais longtemps, ni moun kapete les plans sans Covid. Et c'est encore plus vrai. Quand il a là. Et moun kaye pète travail à yo. Ni yon le moun kaye parle, yon ka dit oui, yon kaye fait si, yon kaye développé un point, yon fait si. Mais jodla là, concrètement, on paquette licenciement kaye fait. Et ça nous kaye fait là, c'est a rien par rapport à ça qui attend nous. Et yon ka dit, c'est soit yon te ka menti pour nous. Le yon te ka dit, économie là, est difficile. Les licenciements, c'était des licenciements prétextes. Ou bien réellement, yon situation de crise qui a fait que jodla. Crise hein? Qui liée à crise sanitaire là. Non, il est déjà là avant. Déjà là avant. Il amplifie. Dis-moi, oui, non seulement il amplifie, mais dis-moi qui j'ai une entreprise. Tu as fonctionné, tu as vendu, il a tombé en faillite. Et aujourd'hui, il y a l'arrêt, ni des secteurs à l'arrêt depuis un an. Hein. Le secteur de l'événementiel à l'arrêt depuis un an. Qui j'ai fait vivre. Donc automatiquement, nous avons une grande crise qui est plus profonde que ça. Et c'est la raison pour laquelle nous présentons nous aux élections pour avertir les travailleurs d'IO en nous commençant à regrouper nous parce qu'il faut nous qui rendent coup pour coup. Il faut nous qui rendent coup pour coup. Maggie Dorville, donc vous êtes à ces élections départementales, vous étiez aux dernières élections municipales, donc on va se dire que vous avez débuté l'année dernière. Oui.
Bonsoir à tout le monde. Oui, j'ai débuté avec Jean-Marie Nomertin sur la liste Faire entendre les camps des travailleurs, justement parce que nous, travailleurs, nous sommes nombreux, mais on ne se fait pas entendre. Et nous, c'est nous qui a fait fonctionner toute l'économie, c'est nous qui a fait fonctionner. Et nous avons rendu compte que c'est nous encore qui a pris gaz à dans tout ça. La vie a augmenté tous les jours. Tous les jours, il y a une augmentation. Tous les mois, nous attendons qu'il y ait une augmentation qui a fait. Et c'est nous qui a subi l'augmentation là, ça. Là, effectivement, il y a une crise COVID. Donc, on l'a mis licenciement, tout ça, en l'aide à COVID. Mais la crise là déjà là. C'est juste un COVID là amplifié qu'on a dit là, il amplifié et nous avons subi. Travailler qu'a subi fort. Est-ce que travailler qu'a metté debout suffisamment? Est-ce que travailler qu'a fait bloc pour y faire entendre voix yo? Eh bien, justement, c'est ça nous qu'a fait yo comprendre à présent. Qu'il faut nous faire bloc à présent pour nous faire entendre quand à travailler, quand à chômer, quand à retraiter, quand à ces petits pauvres là qui yo qu'a mangé un seul jour. Est-ce que normal? Jusqu'ici, ces élus guadeloupéens là pas œuvré pour travailler pour tout le monde? Est-ce que jusqu'ici ils ont pas conscient des difficultés à moun Guadeloupe? On a l'impression que non, parce que c'est toujours pour les gros yo kagoumé, toujours pour les patrons. Ça plus facile pour les patrons d'avoir une subvention qui les petits. Pour les petits ni une subvention, yo kamande yo tellement documents qu'un moment yo ka laissé tomber. Donc les gros, ça plus facile pour yon ni en subvention. Et là, vous rendez-vous compte que yon ka ba yon subvention. Et malgré ça, yon ka mette moun dewa. Donc, ça inadmissible. Moi, ka pran ka, moi qui en y 22 ans, quand ka travaille à but la jay. Et là, magasin là, il ka fermé. Et nous, 26 ka y en la rila. Donc, ça pas normal que on gros entreprise qu'on but. Qui n'y ka forme de yey, qui ka mette tout ça moun de wo, nous ka gonfler encore taux à chômage. Ça pas normal. Si nous pas doubout, si salarié, si moun kon nous pas doubout, eh ben c'est que toujours même bitin là. Mais est-ce que c'est bon côté là pour zot faire entendre voix zot assemblée départementale là? Est-ce que c'est là ce qui peut agir avec compétence à département là, est-ce que c'est là qui vient plus fort? Alors, il faut commencer par un côté. Donc, nous allons commencer effectivement par le conseil départemental, parce que c'est là où il y a occupé le social. Donc, il faut nous commencer par effectivement là pour faire comprendre à dans assemblée là ça que ni monde qui a souffert faut nous à côté à ces monde là ça. Donc faut effectivement nous aller dans élection là ça pour nous faire tant et travail, enfin quand à travailler, quand à chômer, quand à retraiter, qu'on a déjà dit. Est-ce que vous pouvez dire que si j'étais élu, j'aurais une force? Est-ce que j'aurais pu faire entendre voix azote et qu'azoni l'intention fait pour justement faire avancer cause à les travailleurs à dans compétence bien sûr et à conseil départemental. Non, ça fait compétence jeudi là, fait nous mettre ça de côté parce que nous cavoyons. Ça pas intéressant. Non, ça c'est blague à masse parce qu'il n'y a pas une question à de là. Ils disent de là c'est les EPCI qui n'y doivent, jeudi là l'État c'est qui a fait une loi. De qui doit l'État qui a fait une loi? Si on compétence qui dévolue. Et lui, nous mandé Non, c'est celle qui a dit, ni pour le soir bon au niveau là, ça. Nous, dans les élections là, c'est pour 10 députés. Ça veut dire que, ou comment on dit la question, quand nous avons fait. Mais imaginez que nous élus, imaginez que nous avons la majorité. Mais ça veut dire que la Guadeloupe, j'ai organisé les travailleurs, j'ai un niveau de conscience tel, et on ne peut pas imaginer quand nous peut faire. Quand nous peut faire. Les travailleurs n'ont pas paquet d'imagination. Les travailleurs n'ont pas paquet de solutions à tout problème. Et là, il y a un mouvement. Là, il y a un mouvement, il y a conscience. Pour le moment, on n'a pas conscience là, ça.
a pas moi qui dit, hein, il y a un grand philosophe Karl Marx qui dit, ou que goumé pour augmentation de salaire, mais comme les prix augmentent en permanence, tout ça a gagné hier, ou qu'a perdu demain. Tout simplement. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est la prise de pouvoir qui a. Donc en attendant, dans le cadre d'élection là, ça, fais-nous, fais en démonstration de masse. On a travaillé qu'à voter, oui, mais nous avons dit que c'est là que toute différence en nous avec les autres. Nous avons dit que nous ne pouvons qu'obtenir rien sans mobilisation consciente des travailleurs au quotidien. Donc, en contrôle des travailleurs, c'est tout ça qui a passé. Et c'est pour ça que nous avons dit, par les 36 solutions. Donc, tout le monde qui a venu, regardez, fais-nous faire bilan. Hein. Tout le monde qui a venu, qui a fait une grande promesse, qui a fait ci, qui a fait ça. Mais avec qui l'argent? On l'a pris l'argent là. Avec qui moyen qui a fait? L'État a réduit les dotations. Parce que pas fait mon rêve. Alors, le conseil départemental l'a dit qu'il y a une bonne santé financière. Oui, oui. Mais est-ce qu'une collectivité doit faire bénéfice? Non, ça c'est avant Covid là. Mais est-ce qu'une collectivité doit faire bénéfice? Alors, dernière déclaration à la présidente. Oui, mais il a dit ça. Est-ce qu'une collectivité doit faire bénéfice? Doit dégager excédent? Est-ce qu'une collectivité, alors qu'il n'y a pas quatre monde qui a misé un pays là, doit dégager excédent? Est-ce qu'en collectivité doit être tout pendant qu'il y a un paquet de l'argent, qu'il y a un paquet de passer à ma galante, puis pas fouiner, et puis profond qu'il y a fait là-là. C'est autant de questions que nous avons posées. Donc, et là, bon, si déclaration à Borel, lui-même, il dit qu'il y a l'assaut de la région parce que le département est limité. Donc nous, tout simplement, nous avons dit que le département ou la région, c'est limité. Plus nous faisons entendre voir nous, plus nous faisons peser. Et plus de travailler, ça veut dire conscient, mobiliser pour nous agir, pour nous obtenir concrètement des résultats. Alors, vous parlez tout à l'heure de Karl Marx, nous pas consulter nous, puisque vous ne pouvez pas connaître qui citation en te kaibay, a pas même citation qui t'a, mais en cas en te fait en sorte de n'y anti-citation aille, puisque Karl Marx était quand même un communiste. Donc, c'était un monde qui était économiste aussi, donc il était censé être un monde aux côtés des plus démunis, des pauvres. Il était un homme politique, mais il tenait des pensées assez particulières et il dit « Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes. » Qu'a pensé de ça? La classe dominante là à l'époque il était capable effectivement des dominations à la classe bourgeoise qui époque fait mais de la classe dominante la classe bourgeoise qui a agi si tout lui c'est un effectivement en économiste en intellectuel de la bourgeoisie qui mettait toute vie au service de la classe ouvrière parce qu'il était vrai que la société changeait et pour la société changer il a dit on seule classe qui peut faire qui n'y force là pour ça c'est la classe ouvrière et classe ouvrière là ça il y a un rôle historique à jouer. Et là, nous qui prenons le pouvoir, nous qui, à un moment-là, ça a dominé, et nous qui arrivons, ça nous a considéré le communisme et le... Alors, je dis donc, ça, c'est concrètement. Non, mais nous qui peut développer si par-ci, là, ça, sur le monde jour. Mais ça qui est important pour comprendre, c'est que la société est divisée en deux classes. La classe de la bourgeoisie qui a dominé l'autre là, et la classe opprimée, c'est la classe ouvrière. Et la classe ouvrière, on y a un rôle à jouer. Donc, quand on m'a dit, c'est nous qui cerveau, c'est nous qui force motrice à toute l'économie. Le problème là, c'est que nous pas ni la société dominée aujourd'hui par les gros. Et c'est ça, présence en nous, c'est de dire de travailler. Choisir qu'en autre. Et nous, à l'élection départementale, là, ça, pour ne pas bonne leçon. Nous, ni un camarade, Adam Bidom, suppléant nous, Georges Potino, son ouvrier à l'école, il partit à la retraite, ni 3 mois, il y a 700 euros de retraite. Nous, ni Marianne Georges, son notre camarade à la banane qui est à la retraite, qui a un cancer, que je pourrais connaître qu'il est lié au chlordécone, mais si il est lié au chlordécone, nous ne pouvons pas pénir le soir, mais nous, si parti là ça. Ni Maggie Dorville, son exemple concret, on travaillait, qui aujourd'hui est au chômage, et qui demain a touché le RSA dans 2 ou 3 ans. Et le RSA, là, on sait combien ça a fait, et en plus, qui ni à charge, maman qui est malade, et il fait occuper d'elle. Donc là, on a vrai tout ça. Nous bien placés, mieux placés que tous ces candidats-là pour expliquer et pour dire tout ça nous a subi et ça nous a dit pour que les choses améliorent, eh bien, il faut que les travailleurs prennent ça à eux en main, y compris avec les candidats. Alors, en Kérouvine, à citation, moi, quand même, Antigoutte Vert, et puis en qui passait la parole à Binomar, dis-moi, l'œil qui a dit les pensées de la classe dominante sont aussi à toutes les époques les pensées dominantes. Est-ce que pour vous, leur classe qui a dominé, c'est penser à aussi qui a dominé.
Pour le moment, là, oui, à tous les niveaux. Ouais. À tous les niveaux, dans toutes les structures. Conseil qui a dominé dans le tribunal là, conseil qui a dominé dans les médias, pas de toutes les médias, mais grande majorité des médias, conseil qui a dominé à travers les intellectuels qui ont servi ça. En fait, tout le système-là est maîtrisé. Alors, est-ce que Pagnon Tibémol a metté pour la révolution, lors de la révolution française, est-ce que chez Malassa, c'était bon là? Penser à classe dominante qui était qu'à dominer. Oui, mais c'est ton, la bourgeoisie était révolutionnaire à l'époque là ça. Tenir la monarchie était qu'à diriger. La monarchie est un frein au développement de l'humanité et de la société bourgeoise, enfin de la partie de la classe bourgeoise. La classe bourgeoise baillait les moyens pour y te faire sortir en série de verrous. Et parmi ces verrous-là, c'était les frontières entre les ducs, les comtés, les villes, etc., qui permettent à l'économie de développer. Et qui viennent de là, ça y a créé la mondialisation. Mais que d'autres grands révolutionnaires disent que c'était l'impérialisme. Et c'est Lénine qui dit faut gommer contre l'impérialisme. Mais aujourd'hui, tout le monde a découvert c'est la mondialisation. Mais l'économie capitaliste ne peut pas rester circonscrit à un petit territoire, à un grand pays, fait à l'échelle internationale. Alors, Maggie Dorville, qu'a pensé de ça? Ben, c'est effectivement ça. Une fois que la petite bourgeoisie n'est pas d'accord, elle veut penser à ces gants-là. C'est sûr que yo ka ou vin vers les petits pour dire non, faut ça changer. Et c'est comme ça que kani des révolutions qui ka fait. Parce que nous les petits nous toujours ka laisser nous dominer par les gros. C'est ça le problème, c'est ça nous en passant si c'est comment on dit ça c'est machin nous c'est éducation nous qui veut ça, mais ça a toujours été comme ça, mais à présent faut nous prendre conscience nous les petits, nous les travailleurs, nous les chômeurs et les retraités, faut nous prendre conscience que faut ça changer, parce que là où qu'on travaille pour un capitaliste ou qu'on travaille effectivement pour un salaire, mais derrière salaire là yo ka fait on lo bénéfice, et là ou ka essayer faire grève pour demander à dans bénéfice là que vous ou contribuer à faire yo gagner, on lo moun ka dit que yo pas ka comprendre pourquoi ou ka goumer puisque on yon salaire. Mais si capitaliste là il était fait un trou, il était fouillant tout, il était mettre l'argent là à dedans pour il était faire bénéfice. Il pas été fait bénéfice, il était beau bail en grès, ça pas été bail rien. C'est nous les travailleurs qui ca fait si et les employés, les employeurs ni ça yo ni que yo pédi jod là que yo 6e milliardaire, yo 7e milliardaire, c'est nous petit mais en nous, c'est nous qui ca contribué à ça. Donc faut nous ouvrir en nous pour nous faire comprendre que à présent nous peut prendre destin en nous en main. Et fait comprendre que nous bien fait autres gagner l'argent, nous aussi nous veut pas en nous Adam. Voilà, c'est d'accord. Ça. D'accord. Alors je dis vous Jean-Marie Noumertin, on dit de toute façon nous bita compétence à département, ça pas intéressé nous caille pour nous dire ça nous y a dit et pour nous faire ça nous y a fait. C'est bien ça. Nous n'avons pas comme révolutionnaire. Est-ce que ou ka di, le nou ka di on se met à 1800 euros net, le département qui dit bravo. Peut pas dire bravo. C'est nous qui fait dit bravo, mais par la mobilisation. Le nou ka di faut contrôler ça yo ka fait. Yo peut admettre li, mais c'est nous le nou ka aider chaque fait, chaque geste, ka di pourquoi on battait l'entreprise l'argent, soi-disant que pour améliorer les choses. Oh là, il passe l'argent là ça fait nous ni en compte rendu. Le nou ka di que ni en situation en Guadeloupe là ni tant de monde qui vivent du RSA ni un problème qui a posé sur le transport, on fait nous organiser le transport, mais à pas gens là qui a fait là son politique à tico pen tico ken. Ça que nous voulons c'est en transparence au grand jour, on contrôle les travailleurs, et à défaut pour le moment nous pourquoi arriver à la prise de pouvoir, mais contrôle là ça doit permettre nous d'arriver à ça. Donc programme nous c'est nous peut pas haïtien en terrain tel que c'est là qu'a concevoir aujourd'hui là. Là, vous venez aux élections, en qui fait ceci, en qui fait cela. On nous fait bilan à vous. On nous fait bilan à vous toutes.
Est-ce qu'il y a moins de misère en pays là? Est-ce qu'il y a plus de monde en activité en pays là? Est-ce qu'il y a moins de monde qui en souffrance en pays là? En nous garder bilan en monde. Donc, quand ils ont fait bilan, ils ont fait excédent, ils ont dégagé donc des gros excédents, 80 millions, mais dans les faits concrets, on paquette monde en misère. Et c'est ça que nous avons touché du doigt et nous avons dit sort à ces monde là qui a amélioré, que si ils ont engagé et qu'ils ont agi politiquement et non pour permettre à ces monde là ça, eh bien, voter pour eux au fret demain. C'est alors, les Kibitains, je dis là, je peux engager les autres face à les travailleurs, puisque c'est ça que je peux marteler, face à les Guadeloupéens, on action, on les. Ou je peux engager les autres au souhait là, on sait l'action pour les autres chaque. Alors, je peux marteler en les Kibitains, ambition prioritaire à les autres. Alors, en action. Ni tellement, parce qu'il n'y a rien pas qu'un pays là. Mais il n'y a pas qu'un pays là. Mais tout ça qui a d'intérêt à malheureux, il travaillait. Tout ça qui a d'intérêt à bon, il a souffert. Et donc, c'est à la mobilisation, à les travailler, c'est lui qui détermine qu'il est prioritaire. Nous baillons les axes. Mais c'est axe de combat, axe de lutte. Ça veut dire que si le combat est suffisamment fort, eh bien, nous ne pouvons pas résoudre le paquet de problèmes ensemble. Mais si à moitié, nous pouvons résoudre des problèmes, on a pris l'autre. Mais ça qui est important, c'est quand nous, c'est nous avons la priorité, toute priorité de la Guadeloupe. Le problème de l'eau, là, son priorité. Le problème à travail, son priorité. Le problème pour résoudre contre la précarité, son priorité. Jordan, nous, en Guadeloupe, nous en souffrance. C'est là qu'il ne fait pas vrai, là. C'est là qu'il faut comprendre que nous avons un paradis. Eh bien, ça, c'est yo, laissez-le, yo dans notre monde. Mais nous avons dit, Jordan, là, interroger la population, là. Si les difficultés au quotidien, si tout ça yo ka subi, yo ka di une injustice flagrante et générale, il faut résoudre li. Et c'est pour ça que nous présentons aux élections. Parce que nous c'est le seul qui a dit les malheureux, les travailleurs et tout ça qui a souffert, eh bien, ils ont eu une occasion pour exprimer ça, pas absence, parce qu'ils ont absence souvent, parce qu'ils ont dégoûté tout le butin. Surtout, tout ça qui a fait ce jour-là, ça. Oh là, nous avons vu des revirements qui ont fait des gens qui étaient collés un contre l'autre. Je dois yo bien dans le cas d'élection là ça. Ça nous fait les deux élections d'ailleurs, même départementales aussi. Ça qui est important, c'est que ça en nous qui est amélioré, que si nous mobilisons. Donc, le meilleur bien pour faire, c'est déjà voter pour le camp de travailleurs, voter pour liste combat ouvrier, voter pour Maggie Dorville et moi-même. Donc, c'est voter pour eux-mêmes et voter pour défendre intérêt à eux au quotidien. D'accord. Donc, on a dit toutes les travailleurs voter pour eux et Zoka Bayo. Donc, engager les autres à travailler pour eux. Éveillez-vous. Et est-ce qu'elles ont occupé le travail avec ceux-là qui est élu là? Tout ça, les élus qui font, qui est intéressant. Et pour la population, nous qui applaudissons. Au contraire, nous qui les premiers qui applaudissons. Mais tout ça, toute décision que pour contenter à travailler au malheureux aussi, nous qui premiers à dénoncer et crier la population là à venir devant le conseil départemental pour empêcher que ça fête. C'est ça le problème, nous. Hein. C'est comme ça nous qui fonctionnons. C'est. Veiller, nous que veiller en disant là, tout ça est capable, si nous minoritaires, et si nous majoritaires, si par exemple, nous trouvons une série de monde qui pense même qui est lui qui pense même qui nous, à un moment là, ça n'y a pas de nous que peut faire. Mais ayez pas, quand, même si nous minoritaires, nous élus à deux à un conseil départemental, si la population la répond, si les travailleurs répondent, si ils mobilisent, eh bien, nous que qu'on. En tsunami qui a défait les vagues ici, si on région. Donc, ils ont bloqué l'entrée à conseil départemental là, depuis ils n'ont pas d'accord. Mais un pays là, ça c'est comme ça qui a marché. Dis-moi qui gens nous fait des avancées. Tout le monde a critiqué. Mi-jot là, nous attendons l'actualité. Les policiers qui ont mais l'article 24 à la loi sécurité globale là, yolala, qui a été mis en passé, tenions l'eau acte effectivement de violence. Mais c'est le gouvernement-là qui est responsable. Mais le Conseil constitutionnel sorti, dit article 24 a sauté. Mais le gouvernement-là, il voulait coûte que coûte, maintenir. Donc c'est pour ça que nous avons dit c'est fort mobilisé pour obtenir le résultat. Alors, en action, on engage en l'équité. Ben, c'est toujours même bitin. Hein. Nous, si nous ne pas goumer, c'est qu'on a dans le cas de travail, c'est toujours. Combat qui a fait si ou qui a obtenu en satisfaction. Donc c'est ça, c'est pas nous de tout celles qui peut faire avancer les choses, c'est nous avec travailler qui derrière nous. Donc nous peut pas promettre ça, promettre si nous pas ni travailler qui du bout avec nous.
Donc c'est ça, nous pas qu'à faire promesse que nous pékembé. Nous c'est du concret et concret là c'est combat en nous et va travailler. Merci Maggie Dorville, merci Jean-Marie Noumertin d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez donc regarder cette émission sur le Facebook de Canal 10, mais aussi sur YouTube. Et puis, la rediffusion de cette émission, ça sera demain à 9h30. Excellente soirée à tous.